Je partage, est-ce que c'est bon? C'est parfait. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Merci pour cette introduction. Merci pour cette invitation. Et à toute l'équipe de l'UM. Voilà, donc on va vous présenter Peer Community et Peer Community Journal, une initiative que nous menons avec Benoît Facon, Thomas Guimau et Marjolaine Hamelin qui est là également. Donc je vais démarrer la présentation et puis à peu près vers la moitié, Marjolaine prendra la suite. Alors, simplement, une diapo pour vous rappeler les raisons scientifiques pour lesquelles on a démarré ce projet-là il y a maintenant pratiquement 6-7 ans. C'est qu'on considérait que le système de publication a plusieurs défauts. La première, c'est qu'il est trop long et qu'on a une sorte de cascade de soumission et de rejet en cascade par les auteurs et qui fait que ça peut prendre jusqu'à plusieurs années même avant, entre la soumission, on va dire, et la publication d'un article. Le fait également que le système est opaque, c'est-à-dire que les évaluations, le nom des éditeurs ne sont pas publiés, les données, les scripts et les codes ne sont pas toujours publiés non plus, les conflits d'intérêts, pas toujours déclarés. Et puis, vous le savez, enfin, je pense que vous êtes sensible à ça si vous êtes là, le fait que de nombreux articles sont derrière des paywalls et donc non accessibles. Un système également pernicieux, dans le sens où le revenu des publishers, des grands publishers, des grands éditeurs, dépend directement du nombre d'articles acceptés. Et puis un système qui coûte particulièrement cher à nos institutions, à l'UM comme à d'autres, puisque c'est un système qui globalement coûte 9 milliards d'euros pour 3 J'ai pas millions été touché. d'articles. Michel, il faudrait couper ton micro. Ah, super. 9 milliards d'euros pour l'ensemble du processus, pour 3 millions d'articles, ce qui revient environ à 3 000 euros par article. Et derrière ça, il y a des marges bénéficiaires très très fortes de ces éditeurs privés, avec 35 à 40% pour les plus importants d'entre eux. Et c'est d'autant plus dommageable qu'en tant que chercheur, en tant qu'institution, on fait relativement tout, on écrit les articles, on les édite, on les évalue, et tout ça donc pour le plus long bénéfice. Et donc l'idée de PCI est bien née de là, de l'envie et de la possibilité de se réapproprier le système de publication en fondant donc PCI, on va le voir, pour l'évaluation des articles, et Peer Community Journal. Donc on a ainsi un double système de publication avec d'une part PCI qui assure le peer review, l'évaluation par peer review, et la recommandation en cas d'évaluation positive des préprints, et la possibilité maintenant, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, pour les auteurs de préprints recommandés de les publier dans Peer Community Journal, qui est un journal diamant généraliste, donc dans lequel peuvent être publiés uniquement, mais tous les articles recommandés par PCI. Alors, le but de PCI, très précisément, c'est, donc la partie évaluation, c'est de fonder des communautés de chercheurs dans leur domaine qui vont assurer l'évaluation, donc avec un peer review classique, et la recommandation de préprint dans leur champ disciplinaire. Alors, ces préprints peuvent être déposés dans plein de serveurs de préprints différents, BioArchive en biologie, Archives et Nodo, dans des archives ouvertes telles que HAL ou SF Preprints, etc. Puis on a fondé donc des communautés. La première, c'était en biologie évolutive avec PCI Evolutionary Biology, suivi de écologie, genomics, et on en est comme ça à 17 PCI dans 17 champs disciplinaires différents. Alors, comment fonctionne PCI? Alors là, c'est quelques diapos un peu lourdes, mais c'est pour vous expliquer clairement comment fonctionne le workflow à PCI. Si donc des auteurs veulent soumettre à une PCI pour une évaluation de leur préprint, on va leur demander donc de déposer ce préprint dans un serveur de préprint ou une archive ouverte. Et puis, on va également leur demander de déposer les données, les scripts et les codes de l'article, toujours dans des archives ouvertes pour qu'elles soient disponibles. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent se tourner vers la PCI en question. Donc, si c'est un préprint dans le champ de l'écologie, ils vont se tourner vers la PCI Ecology, par exemple. Ils peuvent également soumettre directement par HAL, donc parce que s'ils vont, pardon, soumettre dans la PCI, ils vont devoir remplir un formulaire de soumission à l'intérieur en indiquant le titre, les auteurs, le résumé, etc. Et on a fondé maintenant, pour ceux qui sont donc impliqués dans HAL, la possibilité de soumettre directement via HAL. Et cette soumission permet de transmettre directement les données des auteurs, du titre, du résumé, donc pas mal de métadonnées qui sont intégrées directement dans le formulaire de soumission. C'est ce que je montre ici, c'est que à la fin d'un dépôt sur HAL, dans le cas où l'auteur qui dépose a sélectionné comme document préprint prépublication et a déposé un full text file, il lui est proposé, là, à la fin de la soumission, à la fin du dépôt,
Cette liste donc des différentes PCI, il y en a 17, donc 16 très exactement. Et ensuite, les auteurs donc, qui soumettent via l'interface vont recevoir un lien sur leur email pour pouvoir compléter leur soumission directement sur le site de la PCI. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, il y a une phase de validation par le Managing Board qui va s'assurer que tout est en ordre. Et une fois qu'ils vont valider la soumission, les recommandeurs de la PCI, qui sont l'équivalent d'éditeurs associés dans des journaux, vont recevoir un email les avertissant qu'il y a une nouvelle soumission. Ils peuvent aller voir le préprint sur le serveur du préprint ou sur HAL, s'il a été déposé sur HAL. Et s'ils sont intéressés, donc si l'un d'entre eux, le premier qui dégaine, est intéressé, il ou elle va organiser le processus de peer review. Alors, il se peut, c'est ce que vous voyez ici, un not considered, que l'article n'attire pas l'attention des recommandeurs, des éditeurs associés, parce que personne n'est disponible, parce que le papier n'est pas suffisamment intéressant. Et dans ces cas-là, les auteurs peuvent le soumettre ailleurs pour évaluation. Mais dans le cas donc où un recommandeur, cet éditeur associé, une recommandeur associée est intéressée, elle va se saisir de l'article, inviter des reviewers via la plateforme, comme dans un journal. Et sur la base d'au moins deux peer reviews, elle va prendre une décision éditoriale qui va être soit de demander des révisions aux auteurs, soit de rejeter l'article, soit troisième possibilité, d'accepter l'article. Alors comme dans les journaux, il peut y avoir plusieurs rounds de peer review. Dans ces cas-là, les auteurs vont déposer une version 2 en répondant aux remarques des reviewers et du recommandeur. Il peut y avoir comme ça deux, trois rounds de peer review. Mais au final, l'article sera soit rejeté, soit accepté par le recommandeur. Et en cas d'acceptation, il va se passer deux choses. La première, c'est que les auteurs vont être invités à déposer une version finale de leur préprint, toujours dans le serveur de préprint. Et la recommandeuse, si c'est une recommandeuse, va écrire un texte de recommandation qui est une mise en contexte de l'article et une explication des qualités de l'article. Et c'est ce texte de recommandation que l'on va publier sur le site de la PCI, ainsi que tout le processus éditorial avec les peer reviews pour transparence donc, de ce processus éditorial. Donc ça, c'est juste une diapo pour montrer à quoi ressemble une recommandation APCI. Vous voyez ici le titre de la recommandation. Elle a un titre, cette recommandation. Donc ici, recommandée par Christelle Fries sur la base de reviews réalisées par Delphine Sicard et un reviewer qui a décidé de rester anonyme. Donc vous voyez ici le texte de recommandation, qui est une sorte de news and view, et il y a même des références. Alors vous ne voyez pas ici, mais si sur le site de PCI vous allez, vous verrez que sous les recommandations, il y a tout le processus éditorial. Alors, ces recommandations de PCI pour les promouvoir, elles sont mises en avant donc, dans différents agrégateurs de review de préprint. L'un d'entre eux est evidence-based et la transmission se fait par Crossref. Un autre de ces agrégateurs est Citee et cette fois, la transmission se fait par le flux RSS. Et par FTP, on transmet, on dépose également ces recommandations dans EuropeANC. Il y a également deux notifications de ces recommandations. L'une, c'est dans BioArchive, dans TRIPS, qui permet là encore de notifier ces recommandations et qui fait que les lecteurs du préprint sur BioArchive peuvent se rendre compte qu'il y a eu une évaluation, une recommandation par PCI. Et on fait la même chose sur HAL avec cette fois un autre processus qui est Notify. Simplement pour vous donner là un exemple d'une recommandation notifiée sur BioArchive. Donc vous voyez le préprint déposé dans BioArchive et ici, sur le côté, recommandé par PCI Evolbiol avec le lien disponible pour aller sur le site de PCI Evolbiol. Et puis là, c'est la manière dont c'est indiqué sur HAL. Donc un préprint recommandé par PCI déposé sur HAL. Vous voyez ici, on l'a souligné en rouge, la recommandation de PCI. Toujours avec le lien pour basculer sur le site de la PCI où l'article est recommandé. Voilà, j'en reste là, je donne la main à Marjolaine qui poursuit la présentation. Ok, c'est bon, vous m'entendez et vous voyez le... Oui, tout bon. Ok, donc comme Denis l'a expliqué, donc on a réfléchi à des options pour pouvoir, une fois l'article recommandé, qu'il soit le plus visible possible. Donc une des options pour les auteurs, ça consiste à laisser le préprint recommandé tel quel sur le serveur de préprint, puisqu'il est citable grâce à son DOI. Mais l'auteur peut être amené, pour différentes raisons, à le publier dans un journal. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. La première, de le publier dans Peer Community Journal.
La deuxième, de le soumettre à une revue AMI, un PCI-friendly journal. Et la troisième option, c'est de soumettre son article à n'importe quelle revue. Donc, dans les revues AMI, les PCI-friendly journal, on a différentes catégories. Donc, une de ces catégories, la première, c'est les journaux qui ont accepté de ne pas faire de peer review supplémentaire sur les articles recommandés et de les accepter, bien évidemment, s'ils répondent à leurs critères éditoriaux, enfin leur scope, de les accepter sans faire de peer review supplémentaire. Donc, on a un certain nombre de revues qui rentrent dans ce cadre. La deuxième catégorie de journaux AMI, ce sont les journaux qui se sont engagés à donner une réponse rapide, c'est-à-dire en moins d'une semaine en général, à une demande que feraient les auteurs en pré-soumission, c'est-à-dire ils les contactent avant d'entamer le processus de soumission pour savoir si ils acceptent leur article, de prendre en compte leur article recommandé. Mais ils peuvent très bien décider de conduire un round d'évaluation supplémentaire. Donc là encore, on a un certain nombre de revues dans différents domaines qui rentrent dans cette catégorie-là. Troisième catégorie, les journaux qui n'ont pas pris d'engagement particulier autre que de considérer les soumissions d'articles recommandés. Voilà, donc on a là encore un grand nombre de revues dans différentes thématiques. Alors, Peer Community Journal, qui est donc la première solution pour les auteurs pour publier leur article, hein, c'est une revue qui a été fondée en novembre 2021 pour répondre à ce besoin de publication des articles recommandés. Donc, elle a été fondée par l'association Peer Community In. Elle ne publie que des articles recommandés et elle ne les publie que si les auteurs le demandent expressément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publication directe des articles recommandés. Il faut que l'auteur en fasse la demande. C'est une revue en open access diamant, c'est-à-dire qu'elle est gratuite pour les lecteurs et pour les auteurs. Donc il y a déjà un certain nombre d'articles qui sont publiés dedans, plus de 300. Il y a une section par PCI. Les articles sont publiés avec une licence CC BY et cette revue est indexée dans un certain nombre de bases de données et on a candidaté pour être indexé dans les bases de données qui sont actuellement reconnues par un certain nombre d'institutions. La revue est publiée est diffusée par le Centre Mersenne, qui est une structure d'édition publique adossée à l'Université de Grenoble, et également pour certains articles, en particulier en sciences humaines et sociales, pour UGA Édition. Et donc, enfin, le journal donc voit le nombre d'articles publiés augmenter et la proportion d'articles recommandés qui est publié dans le journal augmente également. Et c'est en particulier lié à la mise en place, il y a 2 ans, d'un manifeste, hein, le PCI Manifesto, qu'on vous engage à signer si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir en fait l'initiative et donc qui vous engage à soumettre un article à une PCI et s'il est recommandé, à le publier dans le journal. Donc, en résumé, quand un auteur a un article qui est recommandé par une PCI, il a 4 options qui s'offrent à lui, soit de s'arrêter là puisque son article est directement citable, soit de le publier dans le journal, soit de le soumettre à une revue AMI, soit de le soumettre à un autre journal. Donc les bénéfices du modèle PCI, c'est d'abord évidemment les économies que ça représente pour les agences, les institutions de recherche, puisque on économise évidemment les coûts et d'abonnement et les frais d'APC. Le modèle PCI promeut une recherche reproductible puisque les données scripts et codes associés aux articles sont disponibles. C'est un modèle qui promeut aussi la transparence puisqu'on publie les évaluations et les décisions et aussi les sources de financement des études.
On valorise, et ça c'est important, l'effort de reviewing. C'est très difficile pour les revues de trouver des reviewers. Vous recevez certainement des centaines de sollicitations pour évaluer pour des revues. Et en fait, le fait de reviewer pour PCI fait que votre travail est visible. Et surtout que si l'auteur veut publier dans une revue, il pourra ensuite, cette revue pourra réutiliser l'évaluation qui a été faite. C'est un modèle qui permet de répartir la charge de travail d'évaluation au sein de communautés de recommandeurs qui sont relativement larges et beaucoup plus grandes que les éditeurs de journaux. Donc on valorise aussi le travail de décision éditoriale, c'est-à-dire le travail du recommandeur, puisque les recommandations sont citables et donc peuvent être incluses dans la liste des travaux du chercheur. C'est une structure indépendante, indépendante de toute des revues. Enfin, en tout cas, voilà, c'est uniquement administré par des chercheurs. Il n'y a pas de biais économique de publication, c'est-à-dire que il n'y a pas de revenus générés par le nombre de publications dans le journal et le nombre de recommandations. Les décisions sont collectives et c'est un modèle pluridisciplinaire, multidisciplinaire, donc qui est applicable à n'importe quel domaine de recherche. Quelques chiffres, donc très rapidement, voilà, on a plus de 1500 articles soumis, plus de bientôt 800 articles recommandés, un temps moyen jusqu'à la première décision, entre la soumission et la première décision, qui est très comparable à ce qu'on peut trouver dans des revues classiques. Voilà, un grand nombre de recommandeurs, ce qui fait la différence avec les revues classiques. Les managing boards qui seraient l'équivalent des éditeurs en chef sont également constitués de collèges de chercheurs. Voilà, un grand nombre de revues amies et d'organisations qui nous soutiennent. Denis l'a mentionné, on a actuellement 17 PCI. Donc la première est née en biologie évolutive, puisque les chercheurs qui l'ont fondée, dont Denis fait partie, donc étaient issus de cette thématique de recherche-là. Et la toute dernière a été créée en sciences humaines et sociales, donc PCI Organization Studies. À noter l'existence d'une PCI dédiée aux Registered Reports, qui est une forme de communication un peu particulière, dont on pourra vous parler ensuite. Donc l'activité, voilà, le nombre de PCI augmente, le nombre de soumissions augmente, le nombre de recommandations augmente également, voilà, depuis le lancement de l'initiative. Un petit mot sur la reconnaissance et les soutiens. Donc la reconnaissance, il y a un certain nombre d'institutions, d'organismes de financement qui reconnaissent les préprints évalués au même titre que des publications dans des revues. Voilà, donc ces institutions sont listées ici. Il y a en France un certain nombre de comités d'évaluation et d'écoles doctorales qui reconnaissent de la même façon les articles recommandés au même titre que des articles publiés dans des revues. Donc parmi lesquels donc deux écoles doctorales sur l'Université de Montpellier. PCI et Peer Community Journal fonctionnent grâce au soutien financier d'un grand nombre d'institutions de recherche, les principaux étant INRAE et le CNRS, qui soutiennent à la fois financièrement, mais également par des postes l'initiative. Et on a un grand nombre d'universités en France et aussi à l'étranger, voilà, en Europe, mais pas seulement. Et également des bibliothèques. Qui soutiennent financièrement l'initiative à hauteur, par exemple, d'un APC. Donc, c'est là encore, on divise, on répartit le soutien financier sur différentes institutions. Alors, comment participer, comment contribuer? Ben, vous pouvez bien sûr soumettre vos articles à une des PCI qui existent. Vous pouvez, une fois que votre article est recommandé, le publier dans Peer Community Journal.
Vous pouvez aussi, alors ça c'est une nouveauté, vous pouvez nous aider à formater les articles pour le journal, puisque voilà, on demande aux auteurs de formater leurs articles, mais on a toujours besoin d'aide pour la préparation finale et on a un certain nombre de jeunes chercheurs qui nous aident dans ce travail-là. Vous pouvez bien sûr être reviewer d'articles et recommandeur. Vous pouvez aussi avoir l'idée, initier le lancement d'une nouvelle PCI. Ce n'est pas nous qui décidons du lancement d'une nouvelle PCI, ça vient toujours des communautés de chercheurs. En ce moment, on en a une qui, enfin, on en a plusieurs qui vont être lancées en plant science, en psychologie aussi. Enfin, voilà, donc il y a un certain nombre d'initiatives et ces initiatives-là viennent des communautés de chercheurs. Vous pouvez participer également à une série de webinaires sur les thématiques de la science ouverte qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Donc la dernière en date a été sur la thématique des préprints. La prochaine sera faite en juin par une personne de la coalition S, voilà, qui est la coalition des institutions des agences de financement européennes pour promouvoir la science ouverte. Et bien sûr, on vous encourage évidemment à contribuer à toutes les démarches de la science ouverte telles que les publications en open access diamant, les revues qui appartiennent à des sociétés savantes ou des revues universitaires. On est présent sur les réseaux sociaux. On a décidé de enfin, communiquer sur X, mais donc on a des réseaux sociaux comme Blue Sky et comme Mastodon sur lesquels on communique. Et on vous remercie pour votre attention et on est prêt à répondre à vos questions.